l'été, Abby. On va ouvrir le calendrier Maybelline. Par contre, t'es trop à l'affût, je l'ai reçu que hier. Comme d'hab, je l'ai déjà arraché, je suis deg. Ça commence bien, c'est un mascara waterproof. Moi, j'avoue que j'en mets pas trop du waterproof parce qu'après, c'est une galère à l'enlever. Difficile de trouver son calendrier de l'avant, il y en a tellement. Une poudre matifiante, surtout si t'as la peau grasse, c'est top. Ça me fait penser le numéro 3 à un rouge à lèvres, je dirais. J'étais pas loin, c'est un gloss à l'acide hyaluronique. C'est pour les lèvres, donc ça marche. J'ai gagné. Numéro 4, allez, un rouge à lèvres. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'aime bien essayer de deviner avant d'ouvrir qu'est-ce qui se cache. Cette fois, je suis à côté de la plaque, c'est un vernis gel. Je valide 100% la couleur. Numéro 5, moi je dis ça me fait penser à un crayon, genre un eyeliner ou un truc comme ça. J'ai gagné, c'est un eyeliner, par contre je m'attendais pas à cette couleur, genre c'est un bleu. Numéro 6, il y a encore énormément de cases par contre à ouvrir. C'est le même vernis que tout à l'heure, mais en rouge, honnêtement pour les fêtes c'est LA couleur à avoir. Si tu veux ouvrir le reste des cases, abonne-toi juste ici, on va ouvrir tout ça ensemble après, je me demande ce qu'il y a encore à l'intérieur.